Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur Medieval Resurrection pour l'épisode 7. Donc c'est parti, donc un nouveau niveau, la forêt enchantée. Allons-y. La forêt enchantée. Il faut un sacré microclimat et un sol riche en humus noir pour obtenir une forêt enchantée. Alors, j'espère qu'on va pas trop galérer parce que c'est vrai que dans mes souvenirs, ce niveau-là, je vous en avais pas encore parlé. Mais il m'en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs, il me semble. Alors aussi bien en termes de plateforme qu'en termes de passage difficile. On cherche la sorcière de la forêt, la vieille hippie. Elle doit communier avec la terre, un truc du genre. Alors, on va commencer dans l'ordre. Avertissement aux intrus. Saison des amours des crapauds dragons, il est interdit de les toucher ou de les caresser. Ils n'aiment pas ça et vous tueront. C'est charmant. Allez, c'est parti. Donc les crapauds dragons, on en voit partout. C'est eux. Dans mes souvenirs, ils sont pas trop casse-bonbons. Bon, ils sont agressifs, évidemment, mais ça va. Ah oui, alors par contre, cette bestiole-là, je crois qu'on peut pas la tuer, il me semble. Ouais, il me semble qu'elle est increvable. Ce qui est assez gênant. Mais ça nous servira aussi pour escalader, en fait. Comme un vulgaire tabouret, en fait. Voilà. La grosse victime, vous voyez. Bref. On va à l'essentiel, le chaudron. Ah, ça pue par ici. Des bougies parfumées et l'odeur des lentilles, c'est sûrement le corps de la sorcière. Bah. Allez, on va utiliser le talisman. Hop, c'est parti. Bonjour, Sir Daniel Fortesque. Tu as invoqué la sorcière de la forêt. Mais... Ah, je vois que tu es surpris que je connaisse ton nom. J'ai le pouvoir, vois-tu. Je communique avec les esprits des arbres. Je peux voir les auras. Je vois les empreintes psychiques. Je vois l'étiquette au dos de ton armure. J'ai aussi une vision. Tu cherches une femme mystérieuse pour suivre une photothérapie de borgne et t'initier à l'amour de la peau tannée. Ah, d'accord. Tu cherches la prison du démon de l'ombre. Je le savais. Je vois tout. Mais la prison est cachée par un enchantement, Sire Fortes. Ne désespère pas. Je peux annuler cet enchantement. Mais avant, tu dois me rendre un service. Il existe un champignon qui pousse dans cette région. Il est récolté et gardé par un groupe de fées de la forêt. J'ai besoin de 4. Je dis bien 4. Champignons. Pour une potion que je destine à ma sœur, la sorcière citrouille. Apporte-moi mes champignons fortesques et la prison te sera révélée. Prends ce filet magique, bouffon à face de crâne. Ces garces de fées sont plus rapides qu'on ne croit. Allez, c'est parti. La fameuse chasse à l'épuisette. Et ça, je peux vous dire que ça m'a fait péter des câbles, hein, parce que vous allez voir que c'est pas simple du tout. Alors peut-être que là, je vais peut-être gérer, hein, on ne sait pas, parce que pour l'instant, on va dire que le Wakfu, je gère pas trop mal. Étonnamment. Hey, tu viens d'entrer sur le territoire des fées. On est des drôles de numéros, hein. On picore à gauche, on récupère à droite, on achète des champignons, on refourgue un peu. On est des fleurs du pavé, mais on aime la vie. Hey, qu'est-ce qui t'amène sur notre territoire? Des champignons, hein? Eh ben, t'as de la chance, t'es pile au bon endroit! J'en ai justement un sur moi! Tu proposes quoi? Hein? Tu veux un champ gratos? Tu devrais filer d'ici, avant que je te file une tarte! Par le grand griffon Soulard, un filet magique! Attrapez-le! Et voilà, et le délire, ça va être de choper ces putains de connards. Et c'est l'horreur, parce qu'ils bougent comme des fous. Alors, faut courir après comme un psychopathe. Cet étrange buisson qui bruisse ont leur utilité.
Il pourrait élever votre esprit si vous regardez dans leur direction. Ah oui, donc ça, c'est les souches vivantes, en fait. Bah, c'est ça, en fait, ce qui est en face de moi. Alors, il est parti où? Ah, il est là-bas. Alors là, ça va, parce que la map est à plat. Mais il y en a certains, en fait, ça sera dans les airs. Enfin, sur des plateformes. Et ça sera pas le même délire pour les choper. Mais il est où, ce bâtard? Je l'ai déjà perdu de vue. C'est énorme à capturer ces trucs. Puis ils se foutent de ta gueule à rigoler. T'as de leur mettre des patates. Ah, saloperie. Ah, je t'aurai un jour. On est parti où? Oh putain. Et c'est que le premier. Vous comprenez pourquoi j'en ai pas gardé de bons souvenirs de ce passage. Plus ils ont vraiment des tronches dégueulasses. Allez, bim, connard. Ok, ok, ça va. Prends ton champignon et va voir ailleurs. Mais fais gaffe à toi, j'ai des amis, hein. Ma sœur connaît la fée Dodo Cola, mon petit frère. Ah là là, il fait sa petite racaille alors qu'il se fait victime par une épuisette, quoi. On aura tout vu. Alors ici, c'est fermé, on s'en fout. Donc on va commencer à explorer réellement la zone, hein, puisque là, on a vu que le début. Et on va essayer de, justement, de trouver les autres champignons. Alors, c'est quoi ici? Quelque chose ou pas? Je m'en rappelle plus. D'accord. Ok. Je sais pas à quoi sert cet endroit, hein, bizarre. Comme ça, ça me dit rien, en tout cas. On va passer par là. C'est pas un souci. C'est pas les chemins qui manquent. Ah oui, donc là va falloir une souche. Elle est où? Il y en a une là-bas. On va voir s'il n'y en a pas d'autres par ici. Ah, il y en a une là. Alors. Il y a plusieurs chemins partout, donc c'est un peu le bordel. Hop, on se fait des sous-sous. Ok. Ah, est-ce que je peux sauter d'ici? Ça m'a l'air d'être faisable, non? Ça vend du rêve, mais non. Bon, on va attirer la petite souche. Allez, viens par là, Bobette. Quand tu veux. Allez. Aïe, salope. Voilà, un peu longue à la détente, mais on n'a pas trop le choix. Allez, tu peux le faire. Une heure plus tard. Allez. C'est presque. Donc c'est un peu longué à faire, mais bon, on n'a pas trop le choix si on veut grimper. Hop. Voilà. Alors ça emmène nous. Ah oui, c'est vrai, c'est un ascenseur. Vas-y, grimpe. Alors, ça va nous emmener dans un endroit bien pété encore. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Faut pas que je me casse la gueule, parce qu'il me semble que dans mes souvenirs, je me cassais souvent la gueule par ici. Aucun marchand, ok. On va aller à l'essentiel. Il doit y avoir une fée ici. Et je crois qu'il faut tourner autour du truc même. Ouais, c'est ça. Salut toi! T'as l'air perdu? Qu'est-ce que tu cherches? Tu donnais mon champignon? Bah, tu te paies ma fiole, pas vrai? C'est Kev qui t'a dit de faire ça? Un filet magique? Ce type est bien outillé, je me tire! Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième. Alors lui, il tourne dans tous les sens. Oh bah, pff, gros coup de chance. Ah, pas sur la figure, pas sur la figure. Bon, prends le champ. Il est à toi. Et dis à Kev que quand je le verrai, je lui pèterai ses lucioles. Ah là, j'aurais bien aimé voir des demoiselles. Ça aurait été un peu plus sympatoche. C'est tout, y a rien d'autre.
Apparemment, ça a l'air d'être tout. Ouais, c'est vraiment un coup de chance hein, sur ce coup-là, putain. Le jeu veut vraiment me faire mentir. Sur celui-là, j'avais bien galéré, putain. Fuck off. Non, je veux pas redescendre. Oh, fais chier. Il y avait un autre chemin. Tant pis, on va regrimper. Hop. Monster épuisé. Je sais même pas si ça fait des dégâts si je tape avec. On va tester, tiens. Ouais, donc c'est là-bas que j'y suis pas allé. Alors là, ça va être le bordel parce qu'il faut escalader. Alors, je vérifie autour s'il y a rien. Apparemment, c'est bon. Donc, alors là, faut pas se louper. Là. Ok, ça commence mal. Putain. Heureusement qu'on est qu'au premier étage. Hop. Faut que j'aille mollo, parce que des fois, je vais aller trop vite. Et ça me joue des tours. Apparemment, on y est. Ah, c'est quoi le délire ici déjà? Pas un oiseau qui va venir me faire chier? Ah non, oui, il faut faire tomber les œufs et il y en a un qui a quelque chose de dangereux. Oh merde! Attends, je croyais que j'allais crever. J'ai pas perdu de vie, pardon. Bon bah, tant mieux. Bon, j'ai une calice déjà. C'est déjà ça. Mais le reste, je sais pas ce qu'il y a. Donc, désolé, hein, l'oiseau. Je suis en train de péter tes œufs, mais bon, c'est pour la bonne cause. Parce que bon, il semblerait que tu ponds des choses étranges quand même. Se pondre une calice, c'est pas vraiment naturel. Ah putain! L'horreur. Ouais, pourquoi c'est la galère ce passage? Ouais, ils ont lustré leur tête de champignon là ou quoi? Hop. Ah, allez, j'espère ne pas retomber. Allez, on fait ça vite fait. Ah, bouclier en argent, ok. Et l'autre. Ah, parfait. Bon, on se casse. Nickel chrome. Hop là. Donc une rune verte, donc il y avait un portail, donc c'est parfait, on va aller là-bas je pense. Parce que de toute façon, s'il reste un chemin à gauche encore, j'ai pas été visité. Tiens ouais, on va faire le chemin de gauche d'abord. Allez, y a rien ici? Y a pas un truc planqué? Ah ouais, ok. Il me semblait bien. Il y a un trou de balle ici à capturer. Ça semblait bien qu'il y avait un chemin comme ça paumé. Hop. Et voilà. Alors, où est-ce qu'il est ce con? Je suis la plus rapide des fées. Regarde. On me voit à peine. Vas-y, viens. Quoi? Quoi? Donner mon champ à un civil? Laisse tomber, Gugus. Pas question, quart de crâne. Va en cueillir toi-même. Oh, je suis mort de trouille. J'ai les pétoches, les chocottes. Si tu veux me piquer quelque chose, faudra d'abord m'attraper, ma biche. Allez, viens, bouge-toi un peu. Bon, on va tenter notre chance. Hein. Où est-ce qu'il est, là? Allez, bim. Putain, mais j'ai vraiment de la chatte. C'est pas comme ça qu'on fait. Allez, vas-y, allez! Tu prends le champignon, tu cours, et je te poursuis! Alors lui, il s'est fait victime, là. Il l'a remis en place, Fortesque. Donc ici, c'est bon. Du coup, là, on a trois champis, théoriquement. Je vais vérifier. Ouais, ok. Donc peut-être que le dernier est derrière la porte avec la rune verte. Putain, et ça va. Ça, franchement, ça roule nickel, quoi. Ça me fait halluciner, quoi. Ah, et putain, là, je crois qu'il y a un boss.
Du coup, je vais sauvegarder. Ce fera peut-être que je retourne voir le marchand, au cas où, si j'ai pas assez de vie. Je vais tenter comme ça, mais ouais, je sais qu'il y a un boss ici. Allez, c'est parti, et je crois qu'il faudra jouer arbalète. Alors, est-ce que j'ai des munitions? Ouais, bah ça va, j'avais refait le plan, c'est nickel. Enfin, le plan façon de parler, mais bon, ça va, quoi. Je n'aime pas ça! Dégaine vite tes armes, Dan, sinon on va finir en kebab! Oui, en kebab, tout à fait. Alors, je sais plus quelles sont leurs attaques. Bon, ça devrait aller, je pense. Donc, en fait, faut attendre qu'ils soient immobiles pour attaquer, quoi. Tout simplement. Ça, j'avais oublié, par contre. Ça, c'est le coup de pute. Alors, qui c'est qui bouge plus? C'est lui. Voilà, mange-toi ça. T'as kiffé, hein? Allez. Hop là. Ça, c'est pareil, ce niveau-là. Il me semble que j'avais galéré dans mes souvenirs. Enfin, ce combat-là. Parce que je pense que je devais être en galère de vie. J'avais peut-être pas de thunes. Parce que forcément, j'avais pas fait les jeux pleins de potentiel. C'était pas aussi simple. Alors, je spamme pas trop. Parce que à chaque fois, vous avez remarqué, hein, ça enchaîne pas la vie. C'est un temps de... Le temps qu'ils fassent leurs animations de morflage, ils subissent pas de dégâts. Crève, charogne. Allez, on y est presque. Nickel, c'est bon. Et la dernière. C'est bon? Voilà, parfait. Bon bah nickel, j'ai même pas perdu une vie. Bon, j'ai failli crever, hein. Il me reste 8 HP, mais c'est pas mal. Impeccable. Putain, ça se déroule vraiment nickel, quoi. Ça se trouve, le boss final, je vais le gérer aussi. Enfin, c'est pas le boss, ce problème, c'est une phase avant. Mais je spoil pas trop, vous comprendrez au moment venu. Mais là, par contre, j'en ai vraiment galéré à mort. J'avais même dû cheater, je crois, pour réussir. Donc là, franchement, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça se déroule bien, contrairement à ce que je crois à chaque fois. Donc peut-être que je vais gérer aussi, hein. On verra bien. Une petite vie, ça fait plaisir. Et on est reparti. Alors, il n'y a pas la dernière fée ici? Peut-être en dessous. Ah oui, là, je crois que ça va nous faire spawn dans la souche qu'on a vue tout à l'heure. Où je disais, c'est bizarre, ça sert à rien ici. Ouais, c'est ça. Par contre, la dernière, je sais pas où elle est, du coup. Ah bah si, j'ai pas été à gauche, c'est vrai. Vu qu'il y a l'autre qui m'avait perturbé, je dirais. Il y a ici que j'ai pas été, encore. Donc c'est le dernier accès pour les champis. Je vais reprendre mon épée. Alors apparemment, il faut une rune ici. Je sais pas où je la chope. Ah bah c'est bon, je l'ai. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai prise, donc... Ok. Ah ouais, mais moi c'est pas ce que je veux, là. Je veux pas quitter. Il me manque un champignon là. Ah, ça va me faire quitter la map ça. Bah où est-ce qu'il est le dernier? Ou c'est encore un truc caché dans les falaises peut-être? On va regarder ça. Il n'y a pas un truc avec cette statue aussi? Rien. On peut essayer. Hein. C'est quoi ce bruit? Il y en a qui est pas loin là, non? Ou c'est la souche qui fait ce bruit là, peut-être? Ça, il n'y a pas 36 chemins ici, on y était. Il
Là, j'en viens. Je vais quand même revérifier. Il y a peut-être des trucs à visiter sur les côtés encore. Ça fait comme l'autre, non? C'est bizarre, ça. Où est le dernier? Bonne question. Je vais retourner là-bas. Parce que ici, il y a le premier là qui nous emmène à l'étage, mais là-bas, il y a de l'espace. Du coup, on sait pas. On vient par là, toi, bonhomme. Allez. Tu peux le faire, Jackie. Aïe. Fumier. Putain, mais arrête. Saloperie. Oh, j'étais presque. Viens par là. Quand tu veux. Hop là. Et c'est bon, arrête de... Il est au taquet, lui. Alors, ici. Merde. Non, mais il n'y a pas de chemin. Où je dois aller, en fait? Ici, on y avait été. Là aussi. Oh, putain. Quel con. De toute façon, là, je vais aller chez le marchand parce que... Niveau vie, c'est juste. Et puis, vous voyez, dès qu'on tombe, on nique une fiole. Ça le fait pas, quoi. Tac. Je vais me soigner. J'imagine que tu as les poches bien pleines. Ça, tu peux le dire, mon gars. Bon. Pourtant, je pense avoir tout visité. Je sais plus. Voilà. Je vais essayer un tout petit peu au cas où si on trouve du soin. Putain, j'ai peur de sauter trop en retard, donc et du coup ne pas sauter, et du coup je me fail. Bon, on redescend, mais là j'avoue, je vais reprendre l'autre ascenseur, peut-être que j'ai loupé un truc. Si on est d'accord, là il n'y a rien d'accessible. Ouais, je pense que j'ai dû louper un truc. Juste un champignon en plus. Allez, on va reprendre l'ascenseur. Hop. On va voir ce que ça donne. Parce que déjà, s'il nous permet de remonter, c'est qu'il y a forcément un truc. C'est là d'où on vient. Ah bah elle est forcément quête pas, cette dernière fée. Là. Faut redescendre peut-être. Oh là 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 là. Putain. J'enchaîne les failles. Je vais prendre la passerelle au lieu de faire le guignol. Là. Attendez, y'a rien. Des fois, ça se trouve, on la voit pas, mais normalement, elle fait du bruit. Moi, pas comprendre. Là, honnêtement, j'avoue, je sais pas. Là. En mode paumé, le gars, quoi. Mais putain, j'ai tout fait là. Y'a pas de truc planqué. Là, j'ai été. On va retourner là-bas, j'ai peut-être loupé un épisode. Ah, y'a un chemin là. Oh putain, c'est ici.
semblait bien ici. Si, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs chemins, mais c'est vrai que il me semblait qu'il y en avait en tout cas. D'où le premier déjà, mais j'avais oublié qu'il y en avait plusieurs en tout cas. Hop. Voilà. Rigole, rigole. On va voir qui c'est qui fait le malin. J'ai deux mots à te dire, tranche de morgue. C'est toi le Charlot qui fouine près du manoir pour trouver des champignons? Et alors? Tu vas voir, c'est moi qui commande maintenant. Attention, hein? Faut pas me chercher, ok? Sinon je t'ai triple édenté. La tronche de Fortesque, quoi. Ouais. Alors, où est-ce qu'il va, lui? Je vais te choper, moi, tu vas voir. Allez, bim. Putain, mais je l'ai victime. Vas-y, prends le champignon. Je rigolais. Maintenant, dégage, pendant que je suis de bonne humeur. Mais bien sûr. Bon, bah, c'est nickel. On a les 4. On a combien de minutes? Même pas à 30, on le sort. Nickel. Allons-y. Donc, c'est assez cynique comme musique. Hein. C'est un petit peu tristouné ici, mais... Après, vous allez voir, les nouvelles zones, ça va être sympathique. Le jeu nous réserve encore pas mal de petites choses. Fortesque, mon bon chevalier. Je savais que tu reviendrais avec mes moisissures. Je peux enfin préparer mon breuvage. Pourquoi, dis-tu? C'est un onguent médicinal d'un grand pouvoir. Un remède magique pour la tête de ma sœur. Oui, c'est ça. Elle souffre de migraines chroniques. Ça lui fait un mal de chien. Maintenant, file. La prison du démon de l'ombre te sera désormais révélée. Allez, c'est parti. Où est-ce que ça va nous emmener encore cette histoire? Parce que je me rappelle pas du tout. Le démon blond, le nom dit quelque chose, mais alors après, en tant qu'ennemi ou quoi, je sais plus du tout. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un chemin. De toute façon, s'il y a une souche à côté, c'est pas pour décorer. Allez, viens, grand guignol. Je vais reprendre mon arme. Eh, enfoiré, il sort d'où? Ça va, le mec, il sort de nulle part, quoi. Allez, tu peux le faire. On y est presque. Heureusement que c'est pas à 10 km, quand même. Allez, viens. Allez. Ouh. Ouais, il est chiant, hein. Il est malin parce qu'il veut qu'on reste prêt, mais... J'ai pas envie de crever, moi, bonhomme. Hop. Bon, j'ai peut-être pas racheté de la vie, quand même, faut pas déconner, mais j'ai peut-être racheté des munitions, par contre. De quoi as-tu besoin, l'ami? Alors, voilà, tac. Puis le reste, je pense qu'on est pas mal. Au niveau des boucliers, je suis encore à fond dans les deux premiers, donc ouais, le doré pour l'instant je laisse comme ça. Je vais faire une petite sauvegarde au cas où. Parfait. Et on est reparti. Alors, donc c'est ici, cette fameuse porte, j'imagine. Étrange fleur. Bon bah allons-y, hein. Je crois qu'on n'a pas le choix vu la taille de la serrure. Putain, je me souviens plus du tout de ce truc. Ça va me revenir d'un coup quand il va se passer quelque chose. Mais bon, il y a forcément un combat là-dedans, non, j'imagine. Ah oui, je crois qu'il faut tourner les trucs pour qu'il y ait un fluide qui passe. Ouais, c'est un fragment d'Anubis en plus. Alors comment ça fonctionne déjà? Parce que ça fait quand même un sacré bail que je suis pas venu. Donc on va lire le bouquin déjà. Il va peut-être nous aider.
Faites tourner les anneaux et gravez une rivière pour que les flammes meurent et s'éteignent. Ok. Alors... D'accord, ok, ouais, donc faut reconstituer les trucs. Bon, ça va, c'est une petite énigme à la RE, ça. On connaît. On va continuer le deuxième, je pense que vu que ça bouge les deux en même temps, c'est pas trop mal. Voilà, parfait. Et je pense que le premier, maintenant, ça doit être le seul à bouger. Ah, quoique j'avais pas vu, mais ouais, il y a quand même le troisième à bouger. Parce que les bases d'en bas, elles sont pas bonnes. J'ai pas fait attention. Alors, faut que ça soit bon. On n'est pas bon, hein, déjà. Ah, et puis ça bouge le dernier aussi. Bon, ça, c'est pas un souci encore. Donc voilà, le deuxième. Voilà, là c'est bon. Et maintenant, le dernier. Bon, ça, c'est pas bien compliqué, hein, de toute façon. On a connu pire. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des petites énigmes comme ça. Ça fait penser au bon vieux temps. Allez, encore un tour et c'est bon. Voilà. Allez, éteins-moi ça. Voilà, parfait. Ah, je retire tout ce que j'ai dit sur ta petite tête. Tu as réussi. Ce fragment de la pierre d'Anubis est comme la bourse d'un pèlerin à portée de nos mains habiles. Prends-le. C'est la fin de nos misères. Et voilà, en libérant les bébêtes, on a aussi libéré donc les fameux démons de l'ombre, je pense. Alors, est-ce qu'on peut sauter dans le trou? Je sais plus. J'y vais random. Ok, on meurt. C'était pour être sûr, parce qu'honnêtement, je me rappelais pas du tout. Donc voilà, on peut dire que Fortesque a encore fait une boulette. Mais bon, c'était nécessaire, hein, si vous voulez la pierre d'Anubis, il y a pas 36 choix possibles. Mais forcément, ça va faire des ennemis en plus. Allez, viens par là, que je te pète. Ah, il a l'air plus résistant, parce que là, un coup n'a pas suffi. Alors, où est-ce qu'ils vont être? Il y en aura partout, je pense. On va essayer de faire un nettoyage. Ah, loupé. Alors, où sont les autres? Ah, les là. Genre, elle se protège. C'est pas pour ça que tu vas pas crever, ma belle. Donc ça, c'est bon. Par contre, les autres, je sais pas où ils sont. D'ailleurs, je sais même plus où est la sortie, en fait. C'est pas par là-bas, non? Je sais plus, en fait. Là, c'est l'ascenseur. Je me rappelle même plus où est la sortie. Comme ça, on est bon. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts, par contre. Saloperie. Voilà, bon, j'ai la calice à 100%, c'est bon.
Mais ouais, où est la sortie en fait? Parce que là c'était un cul-de-sac. Putain, j'en rappelle plus. Hein. Là c'était un cul-de-sac aussi, non? Bon, on va voir ça. Viens par là, toi. Me fais pas trop bobo, parce que là, j'ai plus beaucoup de vie, mon gars. Allez, tu peux le faire. Est-ce que ça va être bon? Nickel. Alors, c'était pas là, hein, non? Putain, je sais même plus où c'est, quoi. Je crois, en plus, on a pas de map, quoi. Ouais. Eh ben, c'est bien, on va chercher. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Ah, peut-être par là-bas. Hein. Ah oui, ouais, c'est par là. Alors, il y a encore un ennemi. Genre, j'ai pas touché. Crève, Charon. Allez, on s'en va, on s'est bien fait aligner, là. Monsieur Zarok, maître! Le château de Potency est droit devant. Ah, le château. Foyer ancestral d'une longue lignée de rois. Dernière relique d'une ère révolue. J'en rêve depuis longtemps. Oh, regardez-moi ça. On se croirait chez les Plouks. Ouais, c'est une belle forteresse. Vous avez plus qu'à la prendre. En fait, je vais commencer par quelques modifications. Ouvrez le feu, capitaine. Réduisez les murs en gravats et les gravats en minuscules morceaux. Mais, monsieur, le château est construit sur un volcan endormi. C'est pas un peu... risqué? Eh bien, capitaine, vous avez peut-être raison. Ah! Je vois. Ah! 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 Silence! Ah! Le panthéon des héros, c'est comme le Valhalla, mais il n'y a aucun lien légal entre les deux. Allez. Donc, comme vous avez vu, Zarok commence à foutre le bordel un peu partout. Comme d'habitude, qui c'est qui va scoltiner le ramassage? C'est Bibi. Mais pour l'instant, on est en paix dans le panthéon des héros. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Apparemment... Ah, ouais, donc je pense que c'est l'arc magique qu'on va choper, là. Regardez qui va là. C'est ce manant de Fortesque. Tu reviens si prestement, comme la rondelle au printemps, n'est-ce pas? Tu me sembles un tantinet sous-équipé en matière d'armement. Mais ne crains rien, mon bon. Car moi, Sabot Noir, je t'ai pris en pitié. Et je vais de rechef compléter ton arsenal avec ce grand arc magnifique. Idéal pour flamber le kirsch et les crèmes brûlées. Bien sûr, nous, les têtes couronnées, avons bon goût, d'exquises manières et nous savons sauter les obstacles. Nous faisons l'aumône à nos gueux pour faire acte de magnanimité. Laisse-nous à présent. Tes goûts vestimentaires m'offensent et ton haleine empeste le purin. Et voilà, en fait, c'est même pas l'arc magique, toujours pas. Est-ce que je l'aurai un jour? Mais normalement, oui, un arc magique, j'en suis sûr. Puisque depuis tant que je le dis, à chaque fois on l'a pas. Normalement, si, on l'aura un jour, vous inquiétez pas. Mais là, c'est un arc de feu, pourquoi pas. Donc vous doutez bien que l'avantage des arcs de feu, c'est que ça crame, et oui. Donc ça fait des dégâts sur la durée, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on se casse d'ici, et il est quelle heure, là?
40 minutes. Bon, on va s'arrêter là. Ce sera peut-être un peu plus court que d'habitude, mais il y a certaines vidéos qui sont quand même très longues. Hein. Je fais pas trop attention à autant, parce qu'en fait, mon téléphone est... Ah, pourtant, je le mettais comme ça, hein, mais j'avais pas l'impression où je voyais mieux, je sais pas. Et du coup, là, vu que je vois moins le temps, je regarde moins souvent. Et j'ai plus tendance à faire des vidéos de plus de 50 minutes. Mais c'est pas forcément volontaire, hein. Je ferais plus du 45 minutes en moyenne, quoi, si je jaugeais un peu mieux le temps. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc on a fait pas mal de choses, hein, quand même, mine de rien. Donc la prochaine fois, ça sera les mares des morts d'antan. Alors ça sera pas l'endroit le plus sympa pour l'instant. Ça sera après, là où il y a à gauche en fait. Là on peut pas encore y accéder, mais c'est là où il y a le port. Et le port est une zone assez sympa, et je me rappelle d'une petite quête qu'on doit faire en fait, pour avancer en fait dans ce niveau-là, qui est plutôt assez comique, quoi. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus !